s'appelle Lucky Luke, de l'Est au Far West. Il arrive au galop, le cowboy héros. Son tir est plus rapide que son ombre. Et son revolver va plus vite que l'éclair au sacré Lucky Luke. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. C'est lui qui a le truc pour nous détonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. C'est un homme qui n'a peur de personne, même pas des Dalton. C'est lui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. Même les Dalton qui ne craignent personne ont peur de Lucky Luke. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. Celui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. Oh sacré Lucky Luke. Et hors la loi, n'échapperont pas au tir de Lucky Luke. Oh, Jolly, nous voilà dans la capitale, Washington, enfin. Après ce voyage, je ne vois pas être beau à voir. Vivement une station-service. Qu'est-ce que c'est? Je suis un pauvre cow-boy solitaire, loin de chez lui. Je m'appelle Lucky Luke. Ah oui, mais monsieur Luke, votre chambre est faite. Il nous faudra une chambre double. Eh bien, dans ce cas, je vous donne un appartement. Ce sera parfait. Allez, plus vite, Jolly! Huh! On nous attend au Sénat. Et bien sûr, c'est à moi de savoir où se trouve le Sénat. Freine, Jolly! Attends-moi ici. J'étais donc là, dans le bureau du sénateur Pendlebury. Il avait une théorie toute fraîche en matière de réforme pénitentiaire, la période de probation. Attends, c'est de l'argent, monsieur Luke. Alors j'irai droit au but. J'étais loin de me douter de ce que le sénateur avait en tête. J'ai la conviction, monsieur Luke, que beaucoup de hors-la-loi sont des incompris et que si on leur donnait une chance, ils deviendraient des citoyens honnêtes de notre beau pays. Un trognon de pomme. C'est bon. Encore! Luke, je veux que vous surveilliez les quatre dangereux criminels que j'ai choisis pour cette noble expérience. Allez, ouste, cabot! Ouste, mais rien de plus facile. Êtes-vous vos amis? Oh, c'est... je ne l'ai jamais vu de ma vie. Parlons peu, mais parlons bien, sénateur. J'espère que les quatre dangereux criminels que vous pensez libérer ne sont pas ceux auxquels je pense. Bon, mais c'est déjà fait. Lucky Luke! Je le hais! Attrapez-le! Vous ne voulez vraiment pas y réfléchir, sénateur? Non, monsieur Luke, ma décision est prise. Je suis sûr que ma politique éclairée sera bénéfique. Ces nobles tâches montent vers l'appétit. Oh, c'est l'heure de déjeuner. Voyons, c'était ma montre. Hé, c'est pas l'heure du déjeuner, Joe. Laisse tomber, imbécile. Il faut d'abord nous échapper. Avant même que j'aie pu leur expliquer le projet du sénateur, les Dalton s'étaient sauvés. Vite, cachons-nous dans ce tronc d'arbre. Oh, Joe, il n'y a pas de boue à notre bouffe. Hélas, les Dalton ne savaient pas qu'il leur suffisait d'être honnêtes pendant un mois.
Qu'est-ce qu'il a dit ? Non, mais c'est trop long à répéter. En gros, si vous êtes sage pendant un mois, vous serez libre pour de bon. Espèce de sac à puce, fiche-moi le... Joe, rappelle-toi. Allez, sois gentil. Il est gentil, le toutou. Merde. Je pensais que la ville de Tortilla Gulch conviendrait à la mise à l'épreuve des Dalton. Alors voilà un peu d'argent de poche de la part du sénateur, et faites-en bon usage. Hein? Petit coin tranquille, loin de tout, peut-être que les Dalton ne seront pas reconnus. Le Dalton! Quoi? Vous avez dit les Dalton? Ah! Oh mon Dieu, c'est pas possible! On annonce une tornade? Pire! Les Dalton! Et t'as oublié ton marteau? Les Dalton? Et maintenant, il faut nous loger. Mais Joe, t'oublies le déjeuner! Oh, ça va, ça va. Va chercher des gâteaux. T'as vrai, t'es un imbécile. Je t'avais dit d'acheter, pas de voler. Ah non, Joe, le marchand m'a reconnu et il m'a donné ça comme ça à l'œil. L'expérience du sénateur aura été de courte durée. Ce n'est pas notre faute. Nous, on la rapportait justement. Tiens, donne ça à Vrel. Bien, Joe. Bon, alors, cette fois, je vous accorde le bénéfice du doute. Mais désormais, je vous conseille de filer droit. T'as compris plus d'un quartin, d'Avrel. Ah ouais, nous devons suivre le droit chemin. Quoi, tu veux dire qu'on doit être honnête pendant un mois? Hein? Attention à ce que tu dis. Ne prononce jamais le mot honnête en présence de Joe Dalton, t'as compris? Promis, Joe, je ne dirai plus honnête. Ah, tu l'as encore dit! Partout où les Dalton allaient, leur réputation les avait précédés. Nom d'un chien, mais baissez les mains, les gars! On veut pas de votre argent! On veut seulement une chambre! Ouais, avec un petit quelque chose à manger! Je crois que nous avons ce qu'il vous faut. Il y a quelques annulations de toute dernière minute. Maintenant qu'on a un logement, on peut manger un petit morceau. Mais j'en ai assez! On nous traite vraiment comme des bandits dans cette ville. C'est drôle, j'avais pas mal à la tête avant la sieste. Oh, mes petits camarades, ils sont rigolos, je vais les suivre. Mais Joe, pourquoi on s'en va? L'utile qui nous a bien dit de pas quitter la ville. Et alors, il se prend pour qui celui-là? Je me prends pour Lucky Luke. Nous les chiens, on adore la compagnie. Eh ben, rentemplant, on essaie de filer avec les Dalton. Oh, si seulement c'était vrai. Ah, je me doutais bien que vous ne pourriez pas filer droit. Comment veux-tu? On n'a aucune chance dans cette ville de froussards. Ah ouais, il nous laisse pas être honnête. Je t'ai interdit de dire ce mot. Je commence à comprendre et je crois bien que je tiens la solution. Chers concitoyens, la séance est ouverte. Ce document nous vient du sénateur Pendlebury lui-même, n'est-ce pas, Luc? Ouais. Il remet les Dalton en liberté pour un mois, pas vrai, Luc? Ouais. Mais à la moindre incartade, les Dalton retourneront en prison. C'est bien ça, Luc? Ouais. Vous avez quelque chose à ajouter, mon cher Luc? Non. Après mon discours pour mettre les citoyens en confiance, le gros problème des Dalton était de trouver un travail convenable. Et maintenant, notre gros problème est de trouver un travail convenable. Ouais, un travail convenable! Ouais, un travail convenable. Ouais, un travail honnête. Prononce pas ce mot-là. C'est la nouvelle maison du maire. Alors, tâchez de faire du bon travail. Je fais pas du bon travail, Joe. Si, il faut le reconnaître, Avrel. Cette cheminée a de l'allure. Quel mortier utilises-tu? Des mortiers? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu dis? Je dis qu'est-ce que c'est. Le mortier, c'est ce qui fait tenir les pierres ensemble, imbécile. Regardez, encore un jour de barré.
Moi aussi, je suis prêt à me barrer. Moi aussi, j'en peux plus. Oh, assez de jérémiades. Si nous tenons un mois, nous pourrons reprendre notre vie de bandit. Mais qu'est-ce que... Je me débarrasse de ça, madame. Au secours! Qu'est-ce que tu fais, Avrel? On est des porteurs, pas des bandits. Ben, c'est la force de l'habitude, Joe. J'oublie toujours qu'on est des honnêtes gens. Je t'ai déjà dit pas ce mot-là. Quel mot, Jean? Non, honnête. Du calme, Joe. J'ai observé la situation et j'ai à vous parler. Approchez. Le problème, c'est de trouver un travail qui vous convienne. On pourrait voler du bétail? Ou attaquer un train? Piller une banque? Imbécile, nous n'avons pas le droit de piller une banque. Une banque, une banque! Et si on ouvrait notre propre banque? La banque des Dalton. Un capital sans intérêt. Hey, les gars, regardez! J'ai accroché l'enseigne! Ouais, à l'envers! Alors retourne là, imbécile! Mais les citoyens de Tortilla Gulch n'étaient pas disposés à confier leurs économies aux Dalton. Me fallait donner l'exemple. Vous voulez vraiment déposer 10 dollars dans notre banque? Ouais. Ne reste pas planté là, imbécile. Ouvre le coffre. Oui, 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 oui. C'est comme ça que tu ouvres un coffre, imbécile! Mais Joe, c'est toujours comme ça que nous avons fait! Va acheter un autre coffre et cette fois, demande la clé! Une clé? Mais qu'est-ce qu'il va pas encore inventer? Toutes ces histoires d'argent m'ont donné soif. Moi, je vais prendre une bonne citronnade bien fraîche! Moi aussi! Avrel, débarrasse-toi de ce cabot! Assieds-toi là. Assiette, il a dit assiette, bien, bien. Salut, Sam, on t'avait pas vu depuis longtemps. Oui, je reviens de Laredo avec mes gars et les Dalton. T'énerve pas, Sam, ils sont en liberté provisoire. Un seul faux pas, ils retournent en prison. Un autre pichet de citronnade, s'il vous plaît, monsieur. C'est moi qui arrose. Et c'est toi la rosée. Aïe, 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 bueno. Du calme, Joe! Pas de bagarre! Oui, il faut qu'on se tienne tranquille. Et ne gâche pas tout! Le mois est presque fini, Joe! Tu ne me fais pas peur, Joe Dalton. Alors, on fait des siennes, Joe? Ouais. Oui, je comprends. Bon, attends-moi ici. Et vous osez vous appeler des durs. Non, moi, je m'appelle Avrel. Et moi, Lucky Luke, Sam. Mais, Lucky Luke, tu vas prendre les parties de ces coyotes? En un mot, ouais. Oh, quel western! Il est bien, mon cow-boy. On dirait John Wayne. Pas question de laisser Lucky Luke se battre pour moi. Dégaine, Luke. Je ne tire jamais sur des gens qui portent des lunettes. Je m'en vais, mais vous avez de mes nouvelles. Eh bien, on ne peut pas dire que c'est un garçon qui manque de peau. Comme je m'éloignais, je ressentais à quel point les Dalton m'étaient reconnaissants. Celui qui lutte de malheur, osez venir au secours des Dalton, ça me rend malade. Moi aussi, dès que le mois est fini, on le descend. On le descend. Oui, on le descend. On descend qui ?
Tortilla Gulch avait retrouvé son calme, mais Sam Laredo projetait d'y semer le désordre avec sa bande. Tu es sûr que ça va marcher, Sam? Sûr et certain, on se remplira les poches et les Dalton retourneront en prison. Le seul avantage d'être des hommes d'affaires respectables, c'est qu'on peut prendre le temps d'aller à la pêche. Ouais, quand on attaquait les banques, on n'avait jamais le temps d'aller à la pêche. Mais si, en prison, on avait le temps. Prêt, les gars. Oh, la route est bloquée. Il faut s'arrêter. Jetez les coffres forts. Ce sont les Dalton. Ils sont en liberté provisoire. Ils ne peuvent pas nous voler. Et comme je le disais, il faut leur jeter le coffre. Leur en plan. Tiens, il a disparu. Il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter, c'est plutôt une bonne nouvelle. Nous, les chiens, on adore faire la sieste au soleil. Voilà! Que se passe-t-il, amigo? On nous a volé, c'était les Dalton. Vous êtes sûr que c'était les Dalton? Vous avez vu leur tête? Alors, je vous écoute. Eh ben, ils portaient des masques, mais ils m'ont dit qu'ils étaient les Dalton. On n'affirme pas ça à la légère. On s'y est tous mis, Joe. On devrait partager, Joe. Vous entendez? Ils se partagent le butin. Entrepolé! C'est moi qui l'ai pris, il est à moi! Les voilà! Attrapez-les! Attrapez-les! Pourquoi on court, Joe? Quand on te court après, il faut courir. C'est comme au bon vieux temps! Ouais! Quand on nous chassait des villes! Oh, un grand bâton! Ils veulent que je leur rapporte. Ils vont trop vite, mais je connais un raccourci. Ça y est, les gars, on les a semés. J'ai vu, ils vont être surpris. T'es génial, Joe. Personne ne trouvera ici. Les citoyens de Tortilla Gulch n'étaient pas contents, tandis que je ramenais les Dalton à leur banque. Faites-les ouvrir leur coffre. Ouais, je parie qu'on lui trouvera le lutin, Luc. Quoi? Je veux dire le butin, Luc. On peut prouver qu'on est honnête. Ouvre le coffre, Avrel. Je trouve plus la clé, Joe. Oui. Espèce d'imbécile! Ouvre le coffre! Vous voulez vous ouvrir ce coffre? Ouvrez! Les Dalton disent la vérité. Le coffre ne contient que mes 10 dollars. Voilà la clé du coffre! Ah, mais maintenant je me souviens de Joe. Je l'avais enfermé là pour pas qu'on nous la vole. Je l'ai enfermé là pour pas qu'on nous la vole. Peut-être avons-nous trop vite accusé les Dalton. Pardon de vous déranger, mais le courrier vient d'être volé. Par les Dalton, bien sûr. Mais c'est le cavalier du Pony Express. Et alors voilà qui nous prouve l'innocence des Dalton. Ils étaient ici tout le temps. Oh, je pense que nous devons des excuses aux Dalton. Et pour leur montrer, je vais leur confier mes économies. Moi aussi. Voilà. Et n'oublie pas, Avrel, hein, prends le modèle le plus grand. Imbécile, t'as oublié la clé. J'ai besoin d'aide pour capturer ces coyotes qui se font passer pour les coyotes que vous êtes. C'est une insulte, ça, Joe. Non, c'est ça, l'insulte. Ça, c'est le déshonneur pour l'uniforme. Shérif adjoint, alors là, nous sommes tombés bien bas. Bon, séparons-nous, et si vous les trouvez les premiers, retenez-les jusqu'à ce que j'arrive. Des bandits qui traquent des bandits. Alors là, on aura tout vu.
Il faut bien qu'on le fasse, Joe. On est encore en probation. Le mois n'est pas encore fini, Joe. Ah, mais si! J'ai oublié de vous le dire. On peut redevenir méchant. J'ai une très méchante idée. T'es un génie, Joe. On attaque notre propre banque. Il est fou, Dalton, se réaccueillir à notre place. T'es un génie, Sam. On attaque la banque Dalton. Et les vrais Dalton, ils seront accouchés à notre place. Mais Joe, comment peut-on attaquer notre banque si les Dalton l'ont déjà fait? Les Dalton, c'est nous, imbéciles. Il n'y a plus de balles, Sam. Ah, et moi qui allais t'en demander une? J'ai plus de balles, moi. Moi non plus. Eh ben, moi non plus. Ben, donne-moi de l'argent, Joe, je vais aller en acheter. On ne s'en va pas comme ça au milieu d'une bagarre, imbécile. Bon, j'ai entendu votre signal. Merci d'avoir trouvé ces gredins et d'avoir veillé sur Rentenplan. C'est bien. J'ai rêvé d'un feu d'artifice, c'était le 14 juillet. Alors mettez ça dans votre coffre, les gars, allez-y. J'achète des munitions maintenant, Joe. Donne-moi ça. Votre tenue est parfaite pour coucher en prison. Hein? Mais où diable vont-ils? Tu veux que je le porte, Joe? Non, imbécile. Je laisse une trace pour Lucky Luke, pour lui tendre une embuscade. Regarde, il tombe dans le panneau. Oh! Tiens, on dirait que les Dalton ont perdu quelque chose. Je te tiens, cowboy! Ah oui, je vois. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vais lui dire, Joe. Notre mois de bonne conduite est fini, voilà. C'est le plus beau jour de ma vie. Ça y est, je vais enfin pouvoir descendre Lucky Luke. Je vais pouvoir la voir. Oh, attends, Joe, attends. Vous êtes parti trop tôt. Avrel s'est trompé de moi. Ce mois-ci, il a oublié qu'il y a 31 jours. 31 jours? Oh, triple imbécile. Imbécile. Je l'ai toujours dit, il n'y a rien de plus beau qu'une famille très unie. Allez, pressons les gars, on a un train à prendre. Je tiens à profiter de cette occasion pour vous exprimer ma gratitude et mes félicitations, Monsieur Luke, pour votre participation à cette noble expérience. Bien que certains la considèrent comme un échec, ce qui compte, c'est l'effort que nous ayons gagné ou perdu. Vous êtes pour nous tous... Mais dis donc, Joe, il cause vraiment bien, le sénateur. Courage, je me demande de quoi il cause. De Tandis que le train s'en allait vers le soleil couchant, il nous fallut quelque temps à Jolly et à moi pour nous remettre du touchant discours du sénateur. I'm a poor lonesome cowboy. I'm a long, long way from home. And this poor lonesome cowboy has got a long, long way to roam. Over mountains, over prairies, from dawn till day is done. My horse and me keep riding into the setting sun. Dum-de-dum-dum. Lonesome cowboy.